Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo, une nouvelle petite recette comme c'était prévu. Donc aujourd'hui c'est des roses chorizo et salami aux chèvres avec la pâte feuilletée. Donc pour ça il faut bien sûr la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. Il vous faut du chèvre frais, du chorizo et du salami. Voilà. Et maintenant, et c'est au four 180, 180 et 80 et 45 minutes à surveiller. Non, tu montes pas, Maout. Je vais te dire, tu montes pas, Maout. Donc ça sera à surveiller, bien sûr, faut les dorer avec un jaune d'œuf, hein, bien sûr. Donc on va y attaquer. Donc nous, on va manger ça avec une petite salade, comme il y a de la mâche. Donc on va faire ça avec de la mâche. Donc c'est parti, mon kiki. Alors, nous allons faire des petites roses. Donc je vais vous descendre. Maou, j'ai dit non! Descends! Putain, elle est têtue, lui, ce soir! Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors que vous voyez bien, 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 bien. Bien sûr, j'ai une main propre. Hein. Donc, on va babigeonner. On va babigeonner le chèvre. D'accord, ça n'a pas l'air d'être si facile que ça, comme le chèvre. Apparemment, il faut en mettre partout. Ah, punaise! Ça commence! Moi, je fais que de la cuillère, mais vous pouvez faire peut-être avec une spatule si vous avez une spatule bien, bien plat. Thank you.
Alors, ensuite, nous allons couper. Donc, on va déjà commencer par le milieu. Oh, décidément, bordel! Je vais prendre le couteau, je vais prendre le coupe machin là. Fait pas vraiment une rose, hein. Ça fait pas vraiment une rose que je suis en train de faire là. C'est pas ça du tout. On va faire autrement alors. Et voilà, voilà, en fin de compte, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Fin de compte, là, avec la marge, là. Avec la. La mozzarella, la merde! Non. Le salami, c'est pas bon. Donc voilà, ça, c'est les petites roses. Hop! Voilà. Donc première petite rose, hop. Voilà.
hop, on referme le truc, et voilà, ça vous fait une petite rose. Voilà, ça vous fait une petite rose. Donc ça fait le deuxième. Ferme le truc, voilà, et on élargit les pétales pour que ça ressemble plus, à une petite rose. Voilà, petite rose, pâte feuilletée, chèvre et chorizo. J'ai bien fait en prendre deux. Voilà, petite rose. Après, on va les dorer. Donc, du coup, celle-là, je vais recommencer. Je vais carrément recommencer.
Voilà. Et on va finir. Ça sert à rien de mettre du salami en fin de compte. Par contre, le salami est tellement gros que ça prend toute la place de la pâte. Voilà, alors, faudrait deux pâtes. Et voilà. Comme ça en fait trois. Ça en fait trois chacun. Vous voyez, hein, hop, je tourne. Hop, ça après. Je fais comme un petit pied. Voilà. Voilà, et ma rose, elle est faite. Voilà. T'étales un peu les petites pétales. Ça ressemble plus à une rose. Et voilà. Petite rose. Et on met ça sur une plaque. Bon, voilà. Donc, en fin de compte, il n'y a pas besoin de salami. Je vais mettre du salami, pour en fin de compte, avec salami, ça fait pas beau. Ensuite, voilà, ça représente ça. Je monte un peu plus près. Voilà, ça fait trois chacun, trois roses. Pâte feuilletée et chèvre. Donc je vais voir si avec un œuf c'est suffisant. Donc vous gardez que le jaune, hein, pas le blanc. Le jaune, c'est pour juste pour la dorure, juste pour la dorure. Et vous prenez votre petit pinceau. Voilà, votre petit pinceau en plastique. Comme maintenant en poil doux là, c'est interdit, on n'a plus le droit. Donc vous prenez et vous dorez. Voilà. Voilà. Hop, en voilà deux. On va 3. Voilà. Bien sûr, pour pas avoir peur de se salir les mains. Voilà.
Et voilà, 6 pâtes feuilletées à la rose. Donc voilà, je les ai dorés. Voilà. Voilà, maintenant on va le mettre au four. Hop, le four, il est là. On va le pas le mettre ni trop haut ni trop bas. Ça risque de cramer. Le four est bien chaud. On le met au milieu. Voilà. Et normalement, ça devrait se faire. Donc on va attendre. Je vous mets en pause et puis je vous remettrai à la sortie. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, ça y est, c'est cuit cuit. Bon, une fois que ça cuit, c'est cuisé, j'en ai profité pour aller me prendre une petite douche. Comme ça, je suis tout propre partout, 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 partout. Même dans les coins, les recoins. Maintenant, on va préparer les assiettes. Comme on avait dit, avec de la salade, avec de la marmache. Bon, elle a été lavée hier, hein. J'ai pas la relaver 50 000 fois. Voilà, pour le moment, on est très 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 mâche. On va la finir. Comme ça, hop, il n'y a pas de perte. Voilà, comme ça la marche est terminée. Enfin, une fleur en forme de... Petite tomate. Bon, les tomates, hein, ils sont propres, hein. Je les ai lavées la dernière fois. Hop, une petite assiette pour les couper. Thank you.
Voilà, première assiette. Les chats. Ça va, mignon? Eh, vous avez mangé les chats. Vous avez mangé. On va sortir la vinaigrette. Voilà. Et on va les installer. Mon bébé. Installer les trucs. Qu'est-ce que papa? J'espère qu'ils sont cuits. Donc voilà, ils sont cuits. Bon, après le chorizo, c'est normal que bah, qu'il soit un peu comme ça aussi, hein. Parce qu'il faut quand même que la pâte à puisse la pâte à puisse cuire, hein. Donc c'est normal, hein. Il va pas rester rouge, hein, le chorizo, hein. Un petit peu d'herbe. Voilà. Et voilà. Oui, hein, c'est pas, y a pas, enfin, ça demande du travail, mais voilà, c'est un truc tout simple, tout simple à faire. Si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi, hein. Donc voilà. Petite rose aux chèvres frais et chorizo. Voilà. Voilà la première. Et la deuxième, hein, c'est pareil, hein. Voilà. Et voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo de Miam Miam, petite recette. Donc je vous redis, hein, c'est pâte feuilletée, soit pâte feuilletée ou pâte brisée comme vous voulez. Du chèvre frais. Vous mettez le chèvre sur la pâte, bien étalé. Après, vous mettez du chorizo, soit fort ou soit doux, comme vous voulez. Mais tant qu'à faire, les acheter déjà tout découpé. Comme ça vous fera des jolies rosaces.
Et puis au four, entre 30 et 45 minutes au four à 180. Enfin, pas plus, hein, sinon ça risque de trop cramer. Et puis voilou. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Et je fais un petit coucou à tous. Un gros bisous à Chantal, gros bisous à Elisabeth, gros bisous à Mélodie, enfin un gros câlin à Mélodie, et gros bisous à Tata Sibyl, Tata Gazelle. Pourquoi j'étais à dire à l'autre, franchement, n'importe quoi. C'est vrai, elle, je l'ai complètement zappé, je l'ai oublié, donc voilà. Ça fait plus partie de ma communauté. Donc voilà, c'est Miss Gazelle, c'est Tata Gazelle que je voulais dire, mais pas l'autre là. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, Kenavo!